Собирайся, мой род, очищайся, мой род, исцеляйся, мой род, объединяйся, мой род. Просыпается сила, могучая сила. And they told me a message from the spirits that I could also help people like them and just spend my life, give my life to love, to the whole humanity. And I decided that yes, that's what I want to do. Alors oui, effectivement, de plus en plus, depuis quelques mois, voire depuis quelques années, il y a un grand climat d'insécurité générale, sur tout l'aspect mondial, aussi français du coup, par rapport à mes clients, où il y a vraiment un climat d'insécurité sur le fait du devenir, par rapport à l'argent, par rapport surtout à la politique aussi. Et comment les choses vont se passer, comment les gens vont pouvoir en tout cas, je dirais, affronter ça, dans le bon comme dans le mauvais. Donc il y a une grande inquiétude effectivement sur ce point-là. Oui. Alors je pense qu'on là on est dans des années très très importantes. Cette année 2019 aussi c'est une année de la transformation, de la transmutation. On est dans un mouvement planétaire très important. On va vers une nouvelle forme de conscience, vers une nouvelle énergie. Ça va passer par du chaos, obligatoirement, parce que l'ordre ne pourra renaître d'une forme de chaos et que tout va s'y mettre. Очищайся, мой род, исцеляйся, мой род, объединяйся. I'm not convinced all of them are fully honest. That's a personal point of view, but I do think that the one I met, I was very impressed. He said things that no one else knew. I could understand that people need reassurance, so they might move towards those type of meetings or moments where they feel that it's their thinking about themselves and maybe worried about where the world is taking them. C'est sûr, quand on voit des hommes comme Trump ou ce qui se passe au niveau de dictature, on se dit mais où en sommes-nous quelque part dans la conscience de l'humanité? Mais je pense qu'on n'est pas si haut que ça, et en même temps c'est vrai que ce sont des êtres qui entraînent le chaos et qui malgré tout, peut-être que là on voit ça comme quelque chose de très douloureux, mais il n'y a jamais rien pour rien dans ce qui se passe sur un plan plus vaste au niveau de la conscience, et je pense que malgré tout, tout ça va faire bouger les consciences. Ma famille.